Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de notre chère République démocratique du Congo. Ici, nous développons les solutions, nous proposons les solutions qui, nous pensons, peuvent être salutaires pour notre République démocratique du Congo. Pour ceux qui sont là pour la première fois, et qui m'ont peut-être suivi en passant ou par hasard, sachez que nous émettons de Johannesburg et nous sommes en Contact Pro Live. Mon nom, c'est Germain Kaindo. Et puis, nous développons une idée ici que nous pensons que cette idée-là peut être salutaire pour le relève et la bonne gestion de notre République démocratique du Congo. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes là, nous continuons à marteler sur cette idée-là. L'idée, c'est de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous avons l'idée que si nous commençons à construire notre pays au niveau de la base, c'est-à-dire que redynamiser la territoriale, nous pourrons avoir au niveau central un État qui a atteint qui pourra atteindre cette réconciliation nationale et cette reconnaissance même d'un État normal. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'existe pas. Aujourd'hui, si vous allez à l'intérieur du pays, vous pensez que vous êtes dans une forêt, vous êtes pratiquement coupé de ce qui se passe à Kinshasa et même de la vie courante de notre pays. Parfois, il n'y a pas de radio, parfois la télévision, parfois même les nouvelles au niveau que nous sommes aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on fait de nos terres, on ne sait pas ce qu'on fait de nos économies. Notre pays, nous pensons qu'elle est pillée par d'autres personnes. Et tout ça, ici, sur Contact Pro Live, nous cherchons à amener cette solution-là, qui, nous pensons, est salutaire. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de quoi? Nous allons toujours continuer à vous donner, à vous expliquer l'intersecte de comment est-ce que nous pouvons rétrocéder ce pouvoir-là au niveau de la base et comment est-ce que, quel est le schéma que nous allons poursuivre. Ici, nous allons essayer un peu de voir les côtés où la résolution de ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo par ce projet-là de 145 territoires. Comment est-ce que nous pouvons résoudre les problèmes sécuritaires au niveau de la territoriale tout en étant, en restant vraiment connectés au gouvernement et participer justement effectivement à l'évolution et au développement total de notre pays. Alors, nous allons voir comment les guerres peuvent être terminées dans le projet de 145 territoires. Donc, voici un peu ce que nous faisons ici. Et donc, comme toujours, lorsque nous commençons nos émissions Contact Pro Live, nous vous mettons au courant de ce qui se passe exactement. C'est pour cela que nous lisons pour vous les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous reviendrons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Alors, à tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. L'OMAMI sénie ses inquiétudes sur la prorogation discriminatoire des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Ituri, un député national pro-Katumbi en danger. Nord-Kivu, la circulation de marchandises entre Goma et l'intérieur de la province autorisée. On va sur actualité.cd. Maniema, Matata Mponyo réclame la prorogation d'au moins d'un mois de l'opération enrôlement suite aux irrégularités flagrantes et graves constatées. Pour Patrick Muyaya, Patrick Muyaya et Tshibangu Kalala, la vocable congolais rwandophone est un non-sens. On va sur Congo profond. Interconnexion Sineka et Sidonia, Arca et DGDA, main dans la main pour le contrôle efficace des assurances obligatoires. Kinshasa, les participants de Kabound dans la rue ce samedi pour exiger la libération de leur leader. On va sur 7/7. Nord Kivu, des députés exigent la suspension des opérations d'enrôlement suite à la suite de la guerre du M23.
Et puis, agression rwandaise, la Mouka appelle une marche de résistance patriotique dans leur grande ville de 11 mars. Okapi Radio, okapi.cd.net, Kisangani, l'arrivée des contingents kenyans dans la ville ne fait partie des opérations militaires de l'EAC, précise l'armée. Matadi, près de 150 mètres cubes d'eau de la régie des eaux volés par mois à la suite des raccordements frauduleux. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc l'actualité à Kinshasa est prédominée par l'attente de M. Macron qui vient et donc tous ces péripéties. Ici sur Contact Pro Live, nous nous sommes focalisés, comme je vous disais, à parler de la solution réelle. Qu'est-ce qui se passe? Comment allons-nous nous y prendre pour relever notre... pour nous organiser en interne? Parce que nous pensons que ce qui se passe en République démocratique du Congo, le mal que nous vivons, c'est la non-existence de notre État. C'est que nous ne considérons pas notre État. Nous pensons que nous sommes dans un royaume. L'État n'existe presque pas. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Comment est-ce que quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui et se dire, bon, Tokobuka, Bandaku, Oyo, parce que Zakosa, la beauté à ville, à Kinshasa, t'es. Nous nous attelons tout simplement à ce qui est visible, à l'apparence extérieure. Or, nous ne soignons pas l'apparence, disons l'interne. C'est ça dont nous parlons ici à Contact Pro Live. Nous devons nous atteler à nous construire en interne. Est-ce que l'état de droit se pourra et kozalaka maquillage tozo tiakaka que non mboka na biso eza bien mboka na biso eza li bien que za kitoko tout ça pendant qu'elle n'est pas administré. Problème ya munene yangwana République démocratique du Congo. Nous voyons que l'extérieur même ata soki ba guerre boza komona ndenge wana kuna les guerres aussi nous ne les construisons pas, nous ne faisons pas attention à ce qui est interne. Bandeko, toye batanzo ton abiso oyo, soki o lobi kaka keno, o bandaka ko soigne kaka olata kabilamba, kaka bilamba. C'est ça justement l'erreur que nous commettons, nous autres. Vous ne soignez pas votre interne. Olingi koye kolate, mais olingi ozala mokonzi. Olingi kozala na qualité, ba qualité interne te, mais olingi ozala mokonzi. Parce que aux akitoko, parce qu'au vimba, parce qu'aux ali, l'apparence extérieure n'est pas ce que nous sommes à l'intérieur. Yangwana toza ko échoué. Et c'est ça que ici à Contact Pro Live, nous pensons que biloko nyonso ote ezako sa ezako tinda biso to échoué. C'est ça justement qui est à cause, nous soignons tout simplement l'apparence extérieure. Vous allez entendre parler que non, gouvernement, avec Fachi, notre pays a été ouvert au niveau international et tout ça. Qu'est-ce qui importe à ce que le niveau international puisse être bien pendant que nous ne sommes pas bien à l'intérieur? L'important c'est quoi? Tant que biso tozo kufa wana nzala, baebisa balobaka biso ke no ba congolais bazobeta batuma kofi kuna. Oh non, les congolais ce sont les bons boxeurs. Ça nous avance à quoi? Oh non, bazoko tombola lokumu amboka na biso. Lokumu amboka na biso eza ko réside na manière dont nous nous gérons nous-mêmes. Manière dont batu bazako zala gérer comme pays. Est-ce que batu bazako ki mambangu mikolonyo so ba exilé politique que nous sommes en réfugié batu tout pendant que batu donc est-ce que ce moment-là le ndeto koloba ke mboka eza ko kende bien? À quoi sert cette diplomatie extérieure pendant que à l'intérieur nous sommes vraiment divisés? Yangona on a contact pro life tozo luka solution on a tozo loba solution nini yango tokotia en place pour que vraiment batou ba se sentir que non quand je vais au Congo je vais chez moi. Je ne suis pas nazali ennemi tena ambassadeur nangai. Soki na ken ambassade à Congo là je me sens chez moi. Mais batou eloko nini oto santaka lelo. Les Congolais ne se sentent même pas chez eux lorsqu'ils sont à l'extérieur na kati ambassade na bango. Okoyoka kaka ke mikakato no kato zo ko benda na kana ba biloko ya mike mike. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système ordonné qui est mis en place que nous mettons en place et que nous allons nous accorder tous na eloko wana. Ezalité.
tout le monde a yeb azako linga ezaneti eneti comment je dirais ezaneti ngombe moko bwe mutunyo so toazoya aluka miliki atie miliki na eme azo soigner ngombe wana te alingi ke ngombe wana pesa e miliki mais azo ko pesa e biloko a koli a te. C'est ça l'image de notre pays. Maintenant, ici à Contact Pro Live, nous nous sommes dit, pour organiser ce pays, nous devons l'organiser, nous devons d'abord nous atteler au fondamental de ce pays. Et le fondamental, c'est quoi? C'est de nous gérer d'abord, gérer la population congolaise. Vous allez voir que toutes les discussions qui ont été entamées pour gérer vraiment la base, pour que nous puissions mettre des piliers, action échoua Kanango. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des discussions. Il y a toujours des gens qui vont voir ça de mauvais œil. Recensement, na identification à la population n'a jamais pris en compte. Babylon, les causes primaires que nous avons, c'est parce que cette identification n'est pas là. C'est parce que l'État ne maîtrise pas ce peuple. Mboka Mobimba est comme un loboko ya mutumoko. Et cette personne-là ne peut pas être en même temps à Fizi, il ne peut pas être en même temps à Mbandaka, il ne peut pas être en même temps. Non, il ne peut pas contrôler tout ça. Même dans la Bible, Mzambe Ebisaka Moïse a lobi divisé Batu, Basali Sayo, parce que Batu a commis Belé. Nous ne connaissons même pas le nombre de Congolais en République démocratique du Congo. Alors, démarche Nabiso encore et Zanine. Au vu de toutes ces histoires-là, nous avons dit il faut rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Et quand c'est le moment maintenant où nous pouvons nous y atteler. Bandeko, avant que na kende musika, na ouvrir na nous parenthèse moko. Ah ouais, que je vais vraiment le refermer tout de suite. Et puis je vous inviterai à venir samedi dans l'émission il y a direct au Tokosala pour tout développer loco oyo. Vous avez entendu parler hier que non Banzela Batunyo surtout Banzela na katia ba intérieur place M23 est à occuper Batuba koki ko kende bazonga. Après le défaite cuisante à faire de ce on ne sait même pas. Tomonika ka communiqué moko e bombardé ndima constant ndima pesi alobité ba mituka eza na ba zone wana nyoso tibu na gana. Mais les gens se posent comme question, avons-nous gagné la guerre? Est-ce que c'est la diplomatie agissante? Nous allons en parler, ne manquez pas samedi na koeb sabino ba révélation ezali. Alors, nous nous sommes dit ceci, na fermé parenthèse wana parce que fallait na bosanate. Mboka na biso kende bien, il faut to rétablir territorial. Nandenge nini? Na modele nini? Ya kopesa lisusu makasi na ba territorial wana kopesa bango pimbo, kopesa bango force, kopesa bango pouvoir ya ko gérer, ya ko yeba ko contrôler population même au niveau na kati ya base wana. Boko remarquer que non. Lettre moko ya ba député à Nord Kivu qui ont demandé au président de la République de leur laisser la négociation avec les M23 pour que Babitumba est ici là. C'est là où nous sommes en train de parler. Nous en parlons ici chaque jour. Nous avions dit, pour que le Congo puisse négocier, il faut que Bakende na ba négociation moko ko inclure ba revendication ba M23 ya ba Kodeko ya tous les milices pour na koyebisa bango bande ko boya to tonga Congo asika. C'est ça le Congo que nous voulons aujourd'hui. Mais nous allons le faire comment? Nous avions dit que nous devrons y arriver par l'appel. Il y a un état de lieu, il y a chaque territoire pour que les Congolais puissent vraiment discuter ce problème-là. Qu'il y ait des conférences au niveau de chaque territoire. De chaque territoire. Mes chers amis, ce ne sera pas une solution à ce que Totika Mabele moko kuna batuba zalakate, pourtant il y a des richesses. Batuba yeko se concentrer kana Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons tout simplement à Kinshasa. Pourtant il y a des histoires dans à l'Équateur. Ça ne sert à rien que ba zone minière na biso ezalaka développer te. Mbongo wana ezalaka servi ko kotonga Kinshasa ou bien kotonga ba grande ville.
Ça ne sert à rien de nous comparer à Johannesburg ou à Tanzanie ou à quoi que ce soit en disant que non, notre capitale, elle est belle. Ça ne sert à rien. Nous devons nous concentrer sur Yakopanza population partout. Koyebi sabatu place bazali, tome kako vivre batuao. Place na batu place bazali. Batuwa banda kovi. Que les gens aient le goût de l'appartenance de là où ils sont. C'est là que nous nous sommes dit, la seule moyen yakosa la yango ezali kaka, appelle aux états de lieu de chaque territoire et que 300 personnes dans chaque territoire qui puissent se réunir enfin de réfléchir sur une nouvelle constitution. Que dans chaque territoire, les hommes et les femmes de chaque territoire puissent se mettre d'accord en se disant « Toko vivre en paix awa ». Réfléchissons sur un nouveau Congo. Le nouveau Congo sera dirigé comment? Pour éviter à ce que mes gestions Zala, comment est-ce que nous pouvons donner les tâches ba Congolais to Zala, to konto tonga mboka ya sika. Bande konandenge o tozo kende, parce que toza komi yebate, ça profite aux étrangers, ça profite à tous ces gens-là. Babiloko tozo loba o baza kopie biso baza kopie biso baza kopie biso te. C'est nous qui ne savons pas nous gérer. Personne ne pille la République démocratique du Congo si ce n'est que la mégestion que nous avons ici qui nous trahit. Parce que tozo gérer ba bankita na biso malamu te. Qu'il faut y appeler les enfants, les filles et fils à chaque territoire, bavanda, pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution-là va demander, va voir comment les responsabilités seront partagées entre le gouvernement central et le territorial. Pour réfléchir et en gros, tout vendre ensemble, tout canissa, tout à la, tout tiaba mibe koyasika. Oh, mutunyo soto akoloba keno. Biso toyo kana kiboye. Nous sommes tous des Congolais sur cette terre. Mutu akobangi sa muninga azali te. Ezana tribu mususu teke o eleki e muninga. Ezana ba minorité te. Mais mettons-nous tous ensemble pour que to vivre nandenge moko ya bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces conférences, ces états de lieu auront le pouvoir, par exemple, d'identification. Ils auront le pouvoir ya ko nommer ou bien ya ko tia administration asika na kati ya ba territoire na bango. Ya ko loba, voici comment est-ce que nous allons administrer. Voici quelles sont les prérogatives que nous avons. Babilo qu'on a biso nini awa toza na ngona province ou bien na territoire o to pesaka na République démocratique du Congo. Comment est-ce que la rétrocession devrait se faire? Babilo kwana nyoso que chaque territoire va discuter ngo comment le contrôle se fera. C'est ainsi que nous avions dit na schéma wana. Par exemple bato bazako bunda basimba mandoki o bato bazana basimba mandoki o bato ya M23 ba kodeko tout ça, ces gens là quitteront la forêt pour venir se mettre ensemble en se disant bis mabele o ezaya biso nyoso inkita o ezali na kati ya awa tozana ngo, il faut to contrôler ngo e bimakate sans que mututi ayeba, parce que koteka mana or na biso il faut bénéficier na bato nyoso tout. Nani yango aza kosala nini na kati ya bituka na biso? Est-ce que toyebi ete? À ce moment-là, soki tobandi koyoka na ndenge wana, le consensus sera trouvé déjà sur toute l'étendue de la République pour une nouvelle constitution. Tokoyeba déjà tokosala fichier civil et abatou, parce que ces conférences auront le pouvoir de faire l'identification, ces pouvoirs-là, auront le pouvoir de faire l'administration, yakati ya ba territoire wana.
C'est ainsi que nous disons, que c'est par là le chemin que nous disons. Batouana, lorsque vous vous entendez aujourd'hui que non, bah député à Nord qui vous basa qu'au Senga président de la République, après sa bangonze là-bas qui est négocié dans l'année, dans M23, c'est des idérata, il y a qu'au rétrocéder pouvoir à niveau à base. Et ça des idérata, il y a qu'au bas que non, président, nous pouvons faire quelque chose. Ainsi, nous disons, dans les territoires, nous ne devrons pas tout simplement attendre tout de Kinshasa. Nous devons travailler. Batou, basala kana ba territoire, ba territorial kuna, basala kanine. Quels sont les apports de chaque territoire? Quel est le travail que chaque territoire fait? Na ba territorio, musala nini salemaka. Nous devons discuter de tout ça. Et tout ça devra être discuté dans une conférence au Tozo Benga, en contact pro live, les états de lieu de chaque territoire qui désigneront. Bango nyoso bango moko bako se désigner balobi awa en attendant que tozala na ba fichier électoral, en attendant que to tia babiloko nyoso tout ensemble, par exemple sur la loi, sur les partis politiques. Comment est-ce que nous pouvons penser que ba parti politique ezalaka na katia ensemble la République démocratique Mobimba? Combien de partis politiques que nous aurons babiloko na nyoso to tia na nous ordre na kati na biso moko poto yeba monguna asimba biso te. Et bah, je suis sûr que les Congolais peuvent faire ça. Les Congolais, bazana mayele, mais tout simplement, il faut le mettre dans un cadre pour que Batouba soit capable de réfléchir. Et qu'on évite biso to bunda. Et qu'on évite biso ba kokoso entre ba tribus na biso obo. Non, parce que ça, dans chaque territoire, si les tribus se mettent ensemble en se disant, bon, nous sommes quatre tribus ici. Parce que c'est ça la base de notre société. Nous sommes 4 ou 5 tribus. Nakati a tribu au ba notable ba ninango bazala kawapi. Les chefs de chaque groupement ya ba tribu baza combien? Je vous assure que tous ces données là sont connus. Babilo kwana nyoso eza connu. Eza te ke tokokendo kokozwango wapi te ezali. Quand vous allez dans un territoire, vous allez trouver les chefs de groupement, vous allez trouver des chefs de village qui existent. Il peut y avoir quelque part au bas Kokoso et Zalaka, mais ces Kokoso là sont entretenus avec Kinshasa. Mais lorsque les gens font se mettre d'accord, ils savent la vérité en se disant Awa toyebi ke moutou tel de moutou a représenté Kabiso, moutou tel de moutou a sala Kabiso, batou au bas ou basimba mando ki boyananou, faire des se et tokobundalisou soute. C'est là où nous disons que quand nous allons mettre tous d'accord en se disant Totia mando ki nase, Totia nyoso nase. Et puis regardons maintenant comment est-ce que nous pouvons cheminer tous ensemble à co-diriger nani bituka na biso ba territoire na biso. C'est par là que nous allons trouver des solutions. Quelqu'un m'a dit que non, ça ce sont les idées fédéralistes, tout ça. Non. Non, même dans l'unitarisme, il y a toujours cet ordre-là qui devra être existé. Comment est-ce que le territorial nani le Belge arrivait à construire les routes? Comment est-ce que le Belge continue arriver à nous mettre ensemble? C'est parce que lui, il était unitaire. Il savait que Nathan Wana, l'unitarisme pouvait fonctionner. Parce que l'autochtone était considéré comme un sous-homme. Mais aujourd'hui, l'autochtone est propriétaire de chaque terre. Nous devons reconnaître ça. C'est comme ça que nous disons. Cette opportunité où ezako pese la biso awa ezali président de la République où akoki ko lancer programme oyo na ndenge oto zako kanise la biso batu na batu tangu bako se prendre en charge, il faut tout simplement y mettre maintenant les moyens. Comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut proclamer ce nouveau Congo, par exemple à partir de 2024. À partir de janvier 2024, nous aurons un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo devrait avoir une constitution et que ce nouveau Congo, les territoriales devront fonctionner normalement. Et ce nouveau Congo, ça va nous donner un moment de transition pour que tout y ait un parti politique qui soit agréé en Gondengenini. Comme nous sommes en février maintenant, nous avons à peu près 8 mois, il y a qu'on chronométré. Nouveau Congo, qu'est-ce que nous allons faire? Voici par exemple le chemin Otoza qui tient ensemble. On est dans Zoloba Maloba, au président Koki Koloba, parce que pour convaincre Batounio surtout, nous n'aurons pas à nous battre pour que Congo n'abissoue Kendeli Bosso. Non, nous aurons d'abord à nous organiser.
On dit souvent en français, qui veut aller loin prépare sa monture. Donc, il faut tous se préparer en se disant, voici pour que notre Congo puisse se relever. Et ça, là, développement, il faudrait qu'à Manono, qui est des riches, il faut qu'à Manono, nous connaissons qui sont là-bas. Nous, pour que le Congo se développe, nous devons connaître Tosa combien, quels sont les projets de développement que nous sommes en train de faire et où nous les faisons, et qui le fait, et comment il le fait, et comment contrôler comment il est en train de le faire. Est-ce qu'il le fait dans ce que nous lui demandons de faire? Toutes ces questions devront être posées. Par exemple, l'élo Obotuyoka qui au projet 145 territoires au gouvernement Zako lancé, c'est pratiquement de la foutaise. Vous allez construire un puits là-bas, Volobi, que non, oh non, on est à projet à 145 territoires. Non! Nous demandons la participation même des gens qui sont dans les territoires. Les administrateurs des territoires devront être conscients du travail qu'ils sont en train de faire et comment ils sont contrôlés et comment ils sont désignés. Quel est le processus ni nango toti en place pour que to destituer un administrateur de territoire bambe banini o esa défini que administrateur de territoire a roko sal leloyo. Il n'y a qu'une seule personne qui nomme tout le monde. Mokanabiso est comme une monarchie, comme un royaume, et comme nini oyo esa na constitution o toza nango lelo ezo pesa pouvoir nyos. Même s'il y a d'autres personnes qui disent que nos constitutions ezali malamu me batunde baza ko appliquer ngote, ça ne donne justement pas l'opportunité à continuer nelo kona, parce que même si c'est bon aujourd'hui, c'est parce que eza ko pesa biso nyos tout makoki wana ya ko ndima yango eza ko pesa mutu moko pouvoir nyos eza ko pesa mutu moko. Il peut être dictateur quand il veut. Vous voyez comment les majorités sont en train d'être négociées dans le Parlement. Système OESO Simbali sous te bandeko. Système OESO, il faut changer. Et c'est le moment, si nous voulons qu'en 2030, à 2035, que Mbo Cannabis soit se retrouver dans le Conseil de la Nation, il faut que nous puissions le faire maintenant. Il faut un projet OESO, l'élo pour Nakolobakeno. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mboka na biso ko banda koyoka batunyo so to bakoya, les enfants que nous so qui viendront puissent se trouver dans un système où il n'y a batuazo muto akoyoka la muninga muto akomone la muninga te muto tout ça ko sala boete. Voilà mes chers amis, je vais m'arrêter là, espérant que je vais vous retrouver sur le direct de samedi à 13h30. J'ose croire que émission na soki to zolanda yango to koya ko comprendre idéo malamu. Alors, si vous êtes là pour la première fois, laissez un commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît. Boya ebele comme ça. Nani idée oyo to panza yango. Ça sera pour notre bien. Mboka na biso to lingi to tikela yango bana na biso o ba ko se sentir que non bazako ke na mboka oyo na liboso. C'est ça le travail qui nous reste à faire ici. Même si vous avez 25 ans, mais si vous n'avez pas une idée progressiste, quand vous aurez 35 ans, si vous n'avez pas préparé ces 35 ans, vous avez échoué. Nous ne pouvons pas dire que non, ce sont les enfants qui bâtiront ce pays. Nous devons mettre les mécanismes en place. C'est pour cela que Yom Toza Liboso, au commis à Liboso, abonne-toi. Laissez un message, Bandeko. On se revoit samedi dans l'émission directe parce que Oyo est une émission unique il y a semaine Oyo Contact Pro Live. Passez une bonne journée. Merci encore une fois de plus. Au revoir.